Salut tout le monde, si vous n'avez pas vu mes vidéos qui sont sorties sur le casino, il y a une playlist qui a été créée qui se trouve en description, vous l'avez aussi en tweet épinglé. Sachez que ce matin il y a une vidéo qui est sortie sur un petit cache-cache, on a fait un cache-cache dans le casino, j'ai galéré, j'ai dû couper tout, ça a duré 30 minutes. En tout cas, playlist dans la description, il y a peut-être une vidéo qui sortira ce soir ou peut-être on fera un live tranquille, on verra en fonction de ce que j'ai. Peut-être que l'émission sortiront du coup vendredi ou jeudi, on verra. En tout cas, soyez patients les gars. Tout sur le casino arrivera dans la semaine parce qu'il y a trop de trucs. Je peux pas vous sortir 15 000 vidéos par jour, c'est impossible. Salut tout c'est Lune et bienvenue dans la customisation du tout nouveau véhicule, enfin de l'un des tout nouveaux véhicules. Donc c'est une super sportive qu'on va aller custom ensemble. Et vu que j'ai, bah oui, parce que maintenant je suis riche les gars, je suis dans le casino, je suis le boss du casino, j'ai ma petite suite. Et bah du coup j'ai mon petit service voiturier, mais je vais vous montrer quand même le prix de base du véhicule. Alors vous allez dans le téléphone Legendary Motorsport et on a 4 nouveaux véhicules, mais moi je vais vous présenter la Anis S80RR. On rappelle qu'on avait la... Je vais vous montrer quand même, on avait la RR d'avant. Voilà, celle de l'époque, c'était celle-ci les gars, la Anis RE7B. Voilà, elle coûtait 2 475 000. Et celle qu'on a actuellement, qui est disponible du coup à l'achat avec le nouveau DLC, c'est la Diamond, bah, du coup du Diamond Casino, et c'est la Anis S80RR. Alors, bah, écoutez, bon, on s'en fout un peu, je vais la mettre en jaune, commander. Ah oui, j'ai déjà commandé, donc je la commande dans mon garage de suite du casino. Et vu que je l'ai déjà commandé, bah, tout simplement, une fois que vous avez commandé votre voiture et que vous êtes blindé, vous avez le casino, vous allez ici voir la personne ici. Après bon, vous pouvez le faire aussi de la suite, mais si vous êtes dans le casino, vous sachez que vous pouvez le faire ici. Vous faites flèche de droite, vous faites service de voiturier. Alors sachez aussi que vous avez le service de limousine, vous pouvez aller où est-ce que vous voulez quoi. Mais moi je prends le service de voiturier gratuit, garage de la suite, et voilà, je prends la S80RR et on a une petite animation qui est vraiment pas mal. Regardez, regardez ça, ça franchement, là les gars ils sont très forts Rockstar. Là je dois avouer que en plus qu'on va aller custom la voiture, ils sont très forts. Regardez, voilà, le voiturier nous donne les clés et on est reparti. Alors après je vais vous montrer que également on peut poser son véhicule, on peut poser son véhicule. Ah oui, pas mal. Elle est vraiment pas mal. Attendez, je vais vous la mettre. What the fuck. Ouah, c'est une place. Et c'est un véhicule une place, les gars. Ah ouais. C'est la première fois, je crois. À part les motos, non. On dirait. D'accord, c'est un véhicule une place, les gars. Ok, bah franchement, je vais tenter un plus gros truc. Mais non, c'est un véhicule une place. Donc on va aller custom tout ça, bah du coup OLS custom, voir bah, ce qu'on peut voir là dessus. Mais déjà le véhicule il fonce, mais waouh, et il est assez imposant hein. Il est vraiment très très gros le véhicule. Ouais, il a l'air d'avoir une bonne petite vitesse de pointe, mais bon, je sais pas s'il va dépasser les nouveaux véhicules en termes de vitesse. Sachez qu'il y a une autre super sportive aussi. En tout cas il est très beau et très gros. Ok, du coup c'est parti, on va OLS custom les gars. Je vais juste vous montrer comment est le véhicule sans customisation. Alors, hop, je me rends en personne. Du coup, on a pas mal de pare-chocs et tout. On a un gros aileron déjà de base. Ok, on a un petit capot. Alors je sais pas si c'est moi qui ai foncé sur la voiture qui soit cassé comme ça. Voilà, les portes papillons. Au niveau de l'intérieur, bah ça c'est normal, c'est basique, pas sans plus quoi. Sans plus. Mais écoutez, c'est parti, on va custom tout ça. Donc je rappelle que le prix du véhicule on a pour 2,5 millions. Avec customisation, je pense qu'on va atteindre les 3 millions et quelques. Alors, réparer le véhicule. Alors, elle. What the fuck, garde-boue. Ah ouais. Je sais pas si ça le fait. Allez, garde-boue, on va tester. Blindage à fond, 47 000. Essayez de compter et me dire combien ça fait en tout. Frein de course, moteur. On met le moteur niveau 4. Échappement. Alors on a échappement épuré, c'est quoi? Ouais, c'est à droite là. Rendre prise d'air, échappement. Prise d'air, échappement. Et de compétition. Ouais, c'est pas la joie. Hein. Ouais, ouais. Bah, je vais mettre ça. Le plus gros. Klaxon, on s'en fout. Les néons, on verra après. On va mettre les phares xénon.
Ensuite, motif. Ah, on a des motifs. Ok, 12, 42. Ouais, 100 plus, 100 plus, 100 plus, 100 plus. J'aime bien ça, j'aime bien celui-là. J'aime bien ce motif. Ensuite, la peinture. Alors, la peinture, est-ce qu'on met la véhicule? Ouais, je pense qu'on va le mettre en métallisé. Alors, du coup, qu'est-ce qui va avec un rose comme ça? Du jaune, non, ça le fait pas trop. Du noir, peut-être. Parce que là, je sais pas, c'est quoi comme. Ouais, ça a l'air d'être une couleur un peu bleutée. En blanc aussi, ça le fait, hein. Regardez, je vais mettre en noir et je vais regarder les autres. Attendez, je vais regarder les autres. Ah, bah attendez. Couleur secondaire, peut-être c'est ça. Ah non, secondaire, non. Ok. Motif. Voilà, ça je voulais voir. En noir avec un motif. Ouais. Ou alors je mets. Regardez, je mets ça comme ça, vert. Avec une petite peinture sympathique. Genre. Non, rouge, vert, ça le fait pas. Jaune. Peut-être jaune, ça le ferait. Ouais, je suis pas très fan. Moi, je suis pas très très fort en customisation. Ou peut-être bleu. En bleu. Allez. Bleu ultra, ça m'a l'air pas mal. Ok, on laisse le véhicule comme ça, même si je suis pas fan non plus. Hein. Je suis pas un très très gros customiseur. Mais c'est pas mal. Ensuite, couleur secondaire métallisée. Ouais, on va mettre un terreur en vert. Hein. Un peu comme dehors, j'ai envie de dire. Voilà, vert. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? On a le toit. Alors, toit de série ou toit peint? Bah, toit peint. Largement meilleur. Vendre, non. Aileron. Ah! On a aileron carbone. Je déteste le carbone, moi. Aileron de série alternatif. Ok, je sais pas c'est quoi qui change. Aileron de course. Aileron supérieur carbone. Aileron classique. Aileron carrosserie, ça fait quoi? Ah, c'est collé à la carrosserie. Ah, c'est pas mal. Ah, ouais, c'est pas mal ça. Je vais mettre ça. J'aime bien aussi celui-là. Hein. Classique. J'aime bien le classique aussi. Je sais pas. Je sais pas. Dans les commentaires, je sais pas ce que vous préférez. Honnêtement, j'aime bien ce. Ah, je suis. Allez, je pars sur ça. Je pars sur le classique. Collé, tu vois, ça le fait, mais pas trop. Transmission à fond. Coffre. Ah, le coffre il est devant. Coffre capot coquet, non. Ouais. Si, si. Comme ça c'est bien. Turbo. Bah oui, forcément. Les roues. Type de roue. Je sais pas, il y a comme. Des roues qui iraient bien sur ce véhicule. Je dirais plus des sportives. Hein. Genre un truc comme ça, ouais. En couleur de jante, on mettrait partir sur quoi? Sur du blanc. Blanc, 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 blanc. Ça fait pas trop blanc. Un noir, ouais, noir. Noir, mais dans ce cas-là, je changerai les jantes, peut-être. Je trouve que là, je suis en train de customiser dégueulasse et de se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire, le Anil? Ah, celles-ci, elles sont bien, mais attendez, peut-être changer la couleur. Ouais, comme ça. Allez. Ensuite, pneu. Pneu custom. Pneu à l'épreuve des balles. Fumée de pneu. Et du coup, bah voilà, je peux choisir. Fumée de pneu, on va mettre vert. Fenêtre, on met ça. Et c'est bon. Il nous manquait plus que du coup les phares xénon. Éclairage, kit néon, support néon, avant, arrière. Et on met du coup bleu électrique. Ok, et eh bien écoutez, j'ai customisé à fond. On va aller voir maintenant la tenue de route. Comment ce véhicule tient la route. Wow, c'est un peu bizarre l'arrière. Déjà, ils font ça.
Ah, il bombarde. Hein. J'essaie de regarder, je peux monter à combien? Je suis à 130. Waouh, c'est trop là. Ok, le véhicule est assez rapide. Hein. Tenue de route, ça va, c'est pas mal. Ouais, la tenue de route est pas mal. Non, franchement, ça va. Je vais tourner là, par exemple. Ouais, ça va, ça pas. Enfin, il saute un peu quand même. Je remarque qu'il est assez léger. Il saute bien, ouais. Il saute bien, il est assez léger. Pour l'instant, j'ai pas fait d'accident. Alors que je sais même pas comment je fais pour ne pas en faire. Bon, du coup, les parents, je vais vous montrer comment on fait, comment ça marche, les gars. Pour rendre son véhicule, tout simplement, vous allez ici, vous garez juste là. Ici, vous faites flèche de droite. Hop, appuyez pour appeler le service voiturier. Et là, bah, tout simplement, vous donnez la clé à la personne. Voilà, vous avez une petite animation qui va s'activer. Et puis, ça vous rentre automatiquement dans le casino. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ciao, ciao, les gars. Et tout à l'heure, pour peut-être une nouvelle vidéo, je sais pas. Peut-être un live, on verra. Peut-être que je ferai un live ce soir, on verra. En tout cas, sur demain, il y a un cache-cache dans le casino et il y aura une autre présentation de véhicule.